Un ajustement du prix de l'électricité de 10% s'appliquera à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024, a annoncé le gouvernement ivoirien le mardi 26 décembre 2023. Selon le ministre Koulibaly Mamadou Sangafouya, chargé des mines, du pétrole et de l'énergie, cette augmentation a été faite sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité. Tous les abonnés à l'électricité, ménages, industriels et administrations seront touchés par cette mesure, soit environ 3,9 millions d'abonnés. Nous avons pris l'avis des Ivoiriens suite à cette information. Augmenter crescendo et de façon répétitive, l'électricité. Déjà, on parlait dernièrement d'à partir de 15 ampères, il y aura 10%. Et maintenant, il n'y a pas d'ampérage, mais il y a 10%. On aimerait bien avoir des bases. Quelles sont les bases de ces augmentations-là? Je ne dirais pas que c'est mauvais, parce qu'il y a toujours des raisons au niveau gouvernemental. Mais il faut aussi penser aux plus faibles. L'Afrique est vraiment chaude par le soleil et on peut user de l'énergie solaire pour en retransformer plutôt et vendre et pourquoi pas faciliter, rendre accessible le paiement de l'électricité à tous en Afrique et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Un premier ajustement avait été fait au mois de juillet 2023 et n'a concerné que 11% des abonnés. La grande majorité des Ivoiriens, 89%, a été épargnée.